bien le bonjour, bienvenue à Genève. Chaque jour, le Moniteur Automobile vous offre la possibilité de découvrir une voiture, une nouveauté de ce salon de Genève. Allons-y, partons pour le salon. Voici la nouvelle C4 Cactus. La première chose que l'on remarque sur ce véhicule, c'est les petits coussins sur le côté. Ils les appellent air bump. La seconde chose qu'on remarque directement, c'est ce nouveau toit panoramique fait dans un nouveau matériau à haute protection, anti-UV également. Lorsqu'on rentre dans l'habitacle de cette nouvelle Citroën, on peut observer tout de suite le nouvel écran tactile 7 pouces, 7 boutons. Une chose qui est un petit peu déconcertante aussi, c'est qu'il n'y a pas de levier de vitesse dans la voiture. C'est assez spécial, il va falloir certainement s'y faire. Quand on est assis dans la voiture, on observe tout de suite cette banquette effet 3 places, qui en fait est une 2 places, mais qui rappelle un petit peu les véhicules américains de l'époque. Il faut savoir que cette Citroën Cactus est en vente à partir de 14 850 euros. C'est le premier prix. Anouk connaît bien cette voiture puisqu'elle est responsable Citroën. Bonjour Anouk. Bonjour. Il y a une petite question dans la boîte à gants pour toi. Je t'invite à la découvrir et à la prendre. On va voir si vraiment Anouk connaît bien cette nouvelle Citroën C4 Cactus. Une petite ambiance des Oscars. Je t'en prie. Citroën C4 Cactus, des matelas pneumatiques sur les flancs, c'est pour le camping? En fait, c'est pour protéger la voiture des coups de l'extérieur et ils s'appellent les air bumps. Est-ce que c'est aussi pour protéger les éventuels piétons qui viendraient rencontrer malencontreusement la voiture? Bien sûr, oui, ça peut aussi servir à ça, tout à fait, tout à fait. Voilà, donc pas de camping avec le Cactus. C'est déjà fini, oui, mais pour aujourd'hui, retrouvez toutes nos vidéos sur moniteurautomobile.be. À demain.